mon âme bénit l'Éternel. Oh, 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 mon âme, souviens-toi de ses compassions, bénit l'Éternel. Souviens-toi de sa miséricorde, oh, mon âme. Souviens-toi, toi, mon âme, bénit l'Éternel. Souviens-toi de sa fidélité, oh, souviens-toi de tous ses bienfaits, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. C'est que marare, marara, marare, bénis l'Éternel. Souviens-toi, au-dedans de moi, oh mon âme. De combien de fois il t'a tiré, il t'a tiré de la fosse. Souviens-toi du nombre de fois où tu as invoqué son nom et tu as vu comment il a répondu. Souviens-toi, alors exalte-le, oh mon âme. Souviens-toi et proclame son nom, bénis l'Éternel. Souviens-toi et élève son nom, oh mon âme. Souviens-toi et adore-le, bénis l'Éternel. Souviens-toi de combien de fois, oh, tu as invoqué son nom. Il a entendu et a répondu. Oh, lorsque tu étais abattu, lorsque les filets de la mort t'avaient environné, oh mon âme, il a envoyé sa parole. Il t'a fait sortir des ténèbres, oh mon âme, de tes ennemis qui t'enveloppaient. Un feu dévorant est sorti de ses narines, oh mon âme. L'Éternel l'a donné des cieux, bénis l'Éternel. Dans le monde invisible on a entendu un tonnerre, oh mon âme. Et ce qui s'acharnait sur toi en soudainement pris la fuite, bénis l'Éternel. Et là tu t'es réveillé, tu t'es relevé, oh mon âme. Oh, 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 mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, oh, oh mon âme. Souviens-toi de sa fidélité, bénis l'Éternel. Souviens-toi, oh toi mon âme. Environné, où ton âme était accablée, oh, la tristesse, l'amertume, la colère, la dépression, où l'échec, la culpabilité et la colère, oh, où la folie, la perte de mémoire. Pauvreté t'avait ceinturé, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme.
les aimas. Oh mon âme, je m'arrête à tous et m'arrête à ce qu'apparaît. C'est que pratique à quatre parées tous. Oh mon âme, oh mon âme, béni l'Éternel. Oh oh oh, toi mon âme, oh mon âme, la parée catazé maratose la ma, béni l'Éternel. Oh plus profond de mon cœur. Pas traité selon ta justice. Oh, il t'a traité selon ses compassions. Il n'a pas regardé à tes imperfections. Oh, mon âme. Il a regardé au sacrifice de Jésus. Il t'a agréé à cause de Jésus-Christ. Oh mon âme, il t'a agréé à cause du sang. Il n'a pas regardé à tes défauts. Il n'a pas regardé à tes manquements. Bénis-le. Il n'a pas chute. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis-le au du plus profond de toi. Oh mon âme, qui est profondeur de ton cœur, de tes entrailles, bénis-le. Surtout n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, c'est bénédiction si tu le peux. Oh mon âme, n'oublie pas ses bienfaits. Oh, il t'a éprouvé, il t'a mis à l'épreuve. Il a permis que tu sois affligé. Oh, non pour te détruire, ni pour te afin de sonder les motifs de ton cœur, oh, afin de te baiser, de te révéler la raison pour laquelle tu l'invoquais. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie pas passion. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, élève-le, adore son saint nom. Tabaré, c'est caparoto, sous caparina mare. Oh mon âme, oh mon âme, souviens-toi de Jésus-Christ ton sauveur. Quelqu'un
quelqu'un pour lever la main pour un signe de gratitude. Oh, oh mon âme, je ne peux pas me lasser de le dire, mon âme. Oh, ne perds pas la mémoire, ne perds pas la mémoire. Ne regarde pas ce qu'il a fait, ne regarde pas au mal qui t'est arrivé. Mon âme, regarde la vision d'ensemble. Regarde le portrait global. Ne t'arrête pas à un événement, ne t'arrête pas à un épisode. Oh non, mon âme, ne t'arrête pas au puits dans lequel tu as été jeté. Ne t'arrête pas au rejet, ne t'arrête pas au mépris. Ne t'arrête pas au fait que tu as été vendu comme esclave. Ne t'arrête pas à ça, tu n'as pas la vision globale, mon âme. Ne te lamente pas, ne t'arrête pas à la prison. Oh, oh mon âme, il y a un projet global, il y a une vision globale. Le plan est beaucoup plus grand que tu ne le penses. Il y a un agenda, il y a un agenda caché. Non, 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 tu ne t'es pas trompé. Tu as choisi la bonne part, mon âme. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera pas ôtée. Ne t'arrête pas à la mort de Lazare, mon âme. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ne t'arrête pas à la fin du foyer, à la mort du foyer, à la mort du mariage, à la mort de la santé. Non, ce n'est pas fini. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, oh mon, tu verras, la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, ne t'arrête pas ce verdict. Ils ont dit que c'est incurable, ils ont dit que ça ne change pas. Ils ont dit, il me reste 3 mois à vivre. Oh non mon âme, ne t'arrête pas au verdict, au rapport des sons. Ne dis pas, ça sent déjà, ça sent mauvais. Mon âme, ne regarde pas ça, souviens-toi de l'Éternel. Oh non mon âme, ce n'est pas la fin de l'histoire. Quel que soit ce qu'ils ont dit, n'écoute pas le rapport des 10 espions. Il a dit, vois, je te livre Canaan, je te donne Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan. Ne t'ai-je pas dit mon âme, que si tu crois. Il a dit, espère en l'Éternel. Pourquoi t'as battu au nom de toi? Espère en l'Éternel, car je le louerai et je le louerai en quoi? Pourquoi t'as battu au nom de toi? Mon âme, allez, relève-toi, ressaisis-toi. Oh non, ce n'est pas fini. Il est la résurrection et la vie. Ça fait 4 jours, ça fait 4 jours. Il sent déjà, je sais. Je parie que si tu crois, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Récapare, il t'annonce maintenant le futur. Il est en train de te dire de rendre grâce pour demain, pour demain. Ils ont dit ça sent mauvais. Ils ont dit 2022 a senti mauvais. Ils ont dit 2023 sera pire, sera pire. Ils ont déjà annoncé que 2023, il y aura l'inflation, il y aura les coupures de courant, il y aura la crise, l'inflation, la démultiplication des prix. Ils veulent t'angoisser, t'inquiéter, mais ne t'ai-je pas dit. Oh mon âme, espère en lui. Attends-toi à lui, attends-toi à lui, attends-toi à lui. Cabaré, y cabara, y cato malé, ama. Oh mon âme, oh mon âme, récupérer ta sacabaria. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Relève la tête. Ce n'est qu'une question de rapport. Ce n'est qu'une question de rapport. Ne t'abats pas à cause d'un rapport. Ne t'abats pas à cause d'un verdict, ne t'abats pas à cause des statistiques, ne t'abats pas à cause d'un pronostic, ne t'abats pas à cause d'un rapport médical, statistique, sanitaire, professionnel, ne t'abats pas à cause d'un document. Tu as tendance à t'abattre dès que tu entends quelque chose ou que tu dis, mais mon âme, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai.
je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et sa louange, et sa louange, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh mon âme, oh mon âme. Je t'annonce que cette maladie, cette situation n'est pas pour la mort. Non, 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 non. Mais mon âme, il faut que tu te relèves. Et que tu rendes grâce comme Père Abraham. Que tu rendes grâce. Que tu rendes grâce à Dieu. Oh toi mon âme. Oh mon âme. Oh mon âme. Requeto sacamaria. Ida mare. Ida mare. Navarro. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome 8 verset 2. Deutéronome 8 verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de te rendre humble et de te mettre à l'épreuve pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Il y a des choses qui te sont arrivées. Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Mais il y a des choses qu'il a permis juste pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Ton cœur était-il un cœur méprisant, qui foule aux pieds? Ton cœur était-il un cœur rocailleux, pierreux? Ton cœur était-il un cœur épineux? Ou ton corps était-il un cœur honnête, bon, sincère? Il y a des choses qui te sont arrivées pour que toi tu reconnaisses l'état de ton cœur. Dieu savait, mais toi tu ne savais pas. Tu n'étais pas conscient. Alors il y a des choses qu'il a permises, pas pour te détruire, mais pour te donner l'occasion de te l'humilier, pour te donner l'occasion de confesser, pour te donner l'occasion de passer par le feu de l'épreuve, la fournaise, afin d'acquérir un cœur pur, tout entier à lui, car sa capacité à accomplir ses projets dépend de la qualité de ton cœur. Afin de ne pas laisser ton cœur là où il était, il a permis la fournaise, il a permis les épreuves, pas pour te laisser dans la confusion, mais pour t'emmener à un cœur pur. Il a permis juste pour que tu prennes conscience de l'état de ton cœur et que tu lui emmènes ce cœur repentant, lui disant non, je ne veux pas ce cœur. C'est un cœur calculateur qui t'aime seulement lorsque les choses bien lui arrivent. Mais lorsque le malheur arrive, c'est un cœur qui fuit. Je ne veux pas ce genre de cœur. Il a permis ça pour que tu dises, oh, ne me laisse pas avec un cœur. Et avec un cœur rocailleux qui ne veut que le long fleuve tranquille de la vie chrétienne, mais qui n'accepte pas les persécutions, qui accepte de souffrir pour toi afin de régner avec toi. Il a permis, pas pour ta destruction, mais pour te révéler ton cœur. Ah, maré, boscabara. Verset 3, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim, oui. Et il t'a nourri de la manne, la même nourriture tous les jours que tu ne connaissais pas, la même galère tous les jours que tu ne connaissais pas, la même frustration tous les jours que tu ne connaissais pas, les mêmes douleurs, les mêmes galères tous les jours, pour un temps, pas pour tout le temps. Et que n'avait même pas connu tes pères. Mais il a permis tout ça afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain, de nourriture physique seulement, mais qu'il y a des moments dans la vie où tu vas apprendre à ne dépendre que d'une parole, que d'un réma. Tu ne verras pas de changement, mais il a dit, je suis avec toi. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Il n'a rien dit d'autre. En attendant, la maladie est là. Le lendemain, la maladie est là. Le troisième jour, la maladie est là. Le premier mois, la maladie est là. Le troisième jour, le troisième mois, le quatrième mois, la même maladie, la même affliction, la même douleur est là. Est-ce que, Fils de l'homme, tu as cru à la parole annoncée? Est-ce que tu as cru à ce que je t'ai dit? Est-ce que la durée, est-ce que le temps qui passe affaiblit ta foi ou raffermit ta foi?
Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne. Si c'est Dieu qui t'a sauvé, ah oui, tu vas passer par les déserts, mon frère. Les déserts sont indispensables. Les déserts sont des lieux de révélation. Les déserts sont des lieux de rencontre. Les déserts sont des lieux de dépendance. Les déserts sont des lieux de brisement. Les déserts sont des lieux d'humiliation. Les déserts sont des lieux de plantation et pas d'enterrement. Les déserts sont des lieux où l'ennemi, le diable, tes adversaires, tes amis pensent que ta vie est finie et que tu as été enterré. Mais non, ce sont des lieux de plantation et pas d'enterrement. Mais c'est juste uniquement afin de ressusciter, de multiplier. Les déserts sont indispensables. Les déserts sont des lieux où Dieu façonne le caractère. L'humilité ne s'apprend pas à l'école. L'humilité ne s'apprend pas dans les enseignements. L'humilité s'apprend dans la souffrance, mon frère, ma soeur. L'humilité s'apprend dans la douleur, dans le labeur, dans les galères, les difficultés. Il y a des choses que tu demandes à Dieu qui ne peut pas sortir de toi. Il y a une dimension d'amour désintéressé, pur, que Dieu ne peut pas faire sortir de toi tant que tu ne vas pas passer par certains types d'épreuves. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la nudité, l'épée? Il y a des choses que tu dois traverser parce que le dépôt de l'amour de Dieu sera testé. Dieu sait que ça ne te tuera pas. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ses forces, au-delà de tes forces. C'est à toi de te cramponner, mon âme. Espère en lui. Même quand tout le monde te dit, laisse tomber, maudit Dieu et meurs. Oh non, je ne maudirai pas. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Et sa louange au mort. Et quand tu vas récolter ça. Mon âme. Insensé. Tu veux m'emmener à maudire mon créateur, mon époux, mon bien-aimé, mon héros, mon salut, ma délivrance, mon avocat, mon médiateur, mon intercesseur. Je ne peux pas le faire. Je sais qu'il est bon, bénis-le. Je sais qu'il est fidèle et juste et véritable, mon âme. Alors exalte-le, alors proclame-le, alors élève-le. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Non, 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 non. Oh, je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes. Je t'aime pour ce que tu es, pour ce que tu as déjà achevé dans l'invisible. Tu es l'auteur d'un salut éternel. Tu m'as garanti la résurrection. Tu allais me préparer une place. Je régnerai avec toi pour l'éternité. La mort sera vaincue. Le péché sera vaincu. Le diable sera vaincu. L'agenda que tu as préparé pour moi de toute éternité est déjà connu. Je ne braderai pas mon éternité pour une partie de plaisir, pour un pot de lentilles. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse. Oh, je ne braderai pas mon héritage, car il nous a réservé un héritage riche et glorieux qui ne peut ni se flétrir ni se corrompre et qui nous est réservé dans les cieux. Oh, il m'a garanti la vie avec lui pour l'éternité. Alors accepte de souffrir pour lui. Enjoy, apprécie la souffrance pour lui. Je bénirai ton nom tant que je vivrai. Oh, ne laisse pas la maladie te faire changer de confession et t'emmener à maudire Dieu. Ne laisse pas l'épreuve t'emmener à questionner son existence et sa fidélité. Non, je ne commettrai pas cette folie. Non, 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 non. D'éternité en éternité, je dirai toujours que tu es Dieu. Comme les martyrs de la foi, les martyrs chrétiens, on les envoie dans l'arène, on a dit maudit Dieu et meurt, maudit Dieu, et on te laisse la vie. Ils ont dit non, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Si tu ne renies pas Jésus, on te ôte la vie. Et ils se sont mis à dire, Jésus-Christ est ma vie. La mort est un gain, Jésus-Christ est ma vie. Oh, mon âme.
Ils n'ont pas craint ceux qui peuvent détruire le corps. Jésus leur avait dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps. Non, non, non. Craignez celui qui peut faire périr l'esprit et l'âme dans la géhenne. C'est lui que vous devez craindre. Ne craignez pas les hommes, leur persécution, les souffrances. Tout le monde souffrira dans la vie. Ne craignez pas. Tu es un esprit, mon frère. Tu n'es pas un corps. Ils peuvent faire souffrir le corps, l'enveloppe, ils peuvent attaquer l'extérieur de la maison, bien-aimé. Mais j'habite pas, j'habite à l'intérieur. Je ne suis pas un corps, j'habite dans ce corps. Je ne laisserai pas toucher l'intérieur. Je ne laisserai pas affecter le résident. Le résident est né de Dieu. Il appartient à Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est le quartier général de Dieu sur la terre. Le résident, ce corps, mon frère, ma soeur, est la maison blanche du ciel sur la terre. L'Élysée de Dieu, c'est moi. La maison blanche de Dieu, c'est moi. Oh, oh, mon ami, il a fait de toi son palais. Il t'a choisi pour être le lieu de sa demeure. Pas là où il est de passage, mais là où il habite éternellement. Oh, mon âme, exalte-le. Il n'a pas habité dans les anges. Il n'a pas. La Bible dit, oh, mon âme. La Bible dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Tellement il est immensément grand, puissant. Il n'habite pas au troisième ciel, non. Il est plus élevé que le troisième ciel. Lui seul, il recouvre l'univers. C'est un mystère, mon frère, ma soeur. Il a établi son trône dans les cieux. Mais lui, il n'est pas seulement sur le trône. Il remplit l'univers en même temps. Et les cieux ne peuvent pas l'enfermer, le contenir, non. Mais dans son amour, il n'a pas accepté d'habiter dans les anges. Il n'a pas accepté d'habiter dans les animaux, non. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il gouverne, qu'il règne sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé et il est lui-même venu habiter en moi pour prendre les rênes comme un père avec son enfant et m'aider à gouverner la terre au siècle des siècles. Il a sa seule motivation, c'était l'amour. Oh! Il a voulu créer des êtres qui sont exactement comme lui, selon qu'il est écrit tel il est, tel nous sommes dans ce monde, et qui font exactement ce qu'il fait. Oh mon âme, voilà l'agenda de Dieu pour toi, mon âme. Tu ne peux pas t'arrêter à cette petite épreuve. Tu n'as pas la vision globale. Oh mon âme. Oh, élève-le, adore-le, exalte-le, proclame-le, couronne-le, atteste-le, mon âme. Et raconte ça, palais, il t'a choisi. Il t'a pas destiné à la colère. Il t'a connu d'avance. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Mais avant de te donner une destination, une destinée, il t'a connu d'avance. Et le mot hébreu, c'est yada. Il y avait une relation. Dans le monde invisible, avant que tu ne sois envoyé dans le corps de Adam, en même temps que toute l'humanité, tu étais un être spirituel. Avant que ton esprit ne soit envoyé dans le corps de Adam et toute l'humanité soit en Adam, au point que Adam devienne l'humanité, avant ça, il te connaissait déjà. Il y avait une romance, il y avait une fusion. Mais un jour, il a voulu que tu expérimentes ce qu'il expérimente. Il a voulu que tu sois exactement comme lui, que tu fasses exactement comme lui. Il est un roi, il a voulu que tu règnes. Il t'a donné un territoire qui s'appelle la terre. Il t'a fait sortir de lui. Et puis il t'a détaché dans le corps de Adam, afin que dans ce corps sur la terre, tu gouvernes les affaires de la terre. Exactement comme papa gouverne l'univers. Il a voulu partager l'héritage. Il a voulu t'établir.
Et quand il t'a mis en Adam, il est lui-même venu habiter en toi pour te rendre capable d'être comme lui, son image, de faire comme lui, sa ressemblance. C'était ça son agenda. Sa motivation, c'était l'amour. Par amour, je veux que mes enfants gouvernent avec moi. Je veux que tel que je suis, je veux qu'ils soient. Où je suis, je veux qu'ils soient. Il a fait de toi son quartier général. Il n'a pas choisi les animaux. Il n'a pas choisi les séraphins. Il n'a pas choisi les chérubins. Eux-mêmes ne comprennent pas ce mystère. Eux-mêmes essaient de plonger les regards pour comprendre le mystère de l'amour de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas comment celui qui remplit l'univers, que les cieux ne peuvent pas contenir, comment peut-il être contenu à l'intérieur d'un être humain au point de venir habiter avec lui, de fusionner avec lui, la fusion de l'humanité et de la divinité, les deux devenant un seul et même esprit appelé le Christ, la nouvelle création. Oh mon âme, aïe 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 aïe. Oh, oh mon âme, oh béni l'Éternel pour sa sagesse infiniment variée, pour les projets qu'il a formés sur toi, pour cette terre et pour l'éternité. Pour toi, la mort n'est pas la cessation de la vie. Pour toi, c'est la continuité de la gloire. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Les barbacateurs, ils cabaret, ils cabaret. J'ai de proclamer son nom. Je ne peux pas m'empêcher de dire à mon âme, mon âme, n'oublie pas, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Ne perds pas la mémoire au milieu de l'affliction. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh bénis l'Éternel de ce qu'il a fait de toi, de ce qu'il fait en toi, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il est venu faire à l'intérieur de toi. Oh, il a commencé une belle œuvre. Il n'a pas encore fini, mais bénis-le. Oh, Rabbé, lorsqu'une voix te dit maudit, tu es meurt, tu dis non. Mon âme, mon âme, mon âme, souviens-toi de tous ses bienfaits. Oh, il m'a retassé, il m'a retossé, capable. Il m'a réchacatoré, il m'a ro. Oh mon âme, oh mon âme. Béni, béni, il m'a retaisé, quand il m'a retaisé. Ce qui est en moi, béni, béni l'Éternel. Dis du bien, proclame le bien, reconnaisse le bien. Ne regarde pas à la coupe à moitié pleine. Regarde à ses bienfaits, regarde à ses compassions. Non, Joseph, regarde à la vision globale. Ne regarde pas la persécution. David, ne regarde pas. Naomi, ne regarde pas. Ne t'arrête pas à la perte de ton mari. Je sais que c'est dur. Ne t'arrête pas à la peur de tes enfants. Je sais que c'est dur. Dieu n'est pas la source de cette confusion.
mais il est capable de prendre cette confusion diabolique et de la faire changer, et de la faire concourir à ton bien, et de te donner néanmoins un témoignage. Il dépasse l'auteur de la mort prématurée, mais il est capable de prendre ça et de faire sortir quelque chose. Là, on a dit que ta vie est finie, il est capable de faire sortir un témoignage. À la louange et à la gloire de son nom. Oh Ruth, ce n'est pas la fin de ton histoire. Oui, tu as perdu ton mari trop tôt. Il est mort de manière prématurée. Dieu n'est pas l'auteur du chaos, de la confusion. Mais Ruth, ce n'est pas la fin de ton histoire. Ne laisse pas les mélodies de pitié et de lamentation t'accompagner. Ruth, dis à ton âme, laisse ton âme proclamer son nom, sa fidélité et sa puissance. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais El Shaddai, le tout-puissant et le tout-suffisant. Oh, oh, ne laisse pas l'amertume abattre ton cœur. L'amertume dans ton cœur va donner le pouvoir à Satan d'empirer ta situation, d'empirer ton histoire. Dis-le. Discipline ton âme. Relève la tête. Exalte-le, mon âme. Tu as besoin de faire sortir la foi, l'espérance de toi. L'action de grâce te délivre de l'amertume. L'action de grâce te délivre de la tristesse. Alors bénis-le. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains rien. Sa houlette et son bâton sont là pour te rassurer. Et barré, Ikaparo, Nabarra Kataya, Ikato Sekebaram. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Lève les mains dans l'assemblée. Oh mon âme. Oh mon âme. Oh. Une voix m'a dit, maudit Dieu est mort pour 2022. Maudit Dieu est mort pour les calamités. Je ne peux pas. Je ne peux pas remettre en cause sa puissance, sa présence, son amour, ses bontés, ses compassions. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je ne peux pas questionner sa fidélité. Je sais qu'il est bon, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Tu ne peux pas le juger à la prison, Joseph. Tu ne peux pas t'arrêter là. La scène est beaucoup plus grande que ça. Il y a une histoire derrière. Même quand Satan a fait le mal, il est capable de rentrer là où Satan faisait le mal, de prendre ses mains de potier et de travailler ce vase afin de faire sortir la résurrection et la vie, la substitution. Tu as perdu, mais il est le Dieu de la restauration. La restauration, ce n'est pas toujours le mari que tu as perdu. Il est mort, les enfants sont morts. Mais la restitution, c'est tu en as perdu un, il t'en donnera sept. C'est la perfection. Et il te donnera, il a donné à Job des filles qui étaient les plus magnifiques, les plus jolies que tout l'Orient n'ait jamais connues. Lorsqu'il a relevé de la cendre, il a essuyé ses larmes, il a restauré ce qu'il avait perdu. Il lui a donné des filles d'une classe, d'une splendeur, d'un caractère intérieur, d'une beauté intérieure et extérieure qui est devenue légendaire au point qu'elles étaient racontées. Leur histoire a été racontée dans tout l'Orient. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la consolation. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu du rétablissement. Il est le Dieu du relèvement. Il est le Dieu du redressement. Il est le Dieu qui fait sortir la splendeur à partir de la cendre. Il n'a pas dit son dernier mot. On l'appelle El Shaddai, le tout-puissant, le tout-suffisant. Tout ce dont il a besoin, c'est de trouver la foi, l'espérance, l'amour à l'intérieur de ton âme. Et Satan veut t'en priver. Mais mon âme, ne te laisse pas faire. Pourquoi tu t'abats au-dedans de toi? Relève la tête, espère en lui. Oh, mon âme. Et mon oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Oh, mon âme.
tase maradiza de mao. Dans l'affliction, dans l'épreuve, réjouis-toi mon âme. Oh mon âme. Ne te laisse pas noyer, non. Ne promène pas des regards inquiets, mon âme.